Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais. C'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 codes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de codes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi le 5 juin 2024. C'est toujours la même chose qui drive depuis ce matin. Il y a beaucoup d'informations. Il y a la Banque du Canada qui baisse son taux d'intérêt de 0,25% pour se montrer plus smart que les autres. Puis là, à plus de ça, il y a des nouvelles qui ont sorti sur les États-Unis qui s'attendent à ce que la Fed aussi baisse son taux d'intérêt. Pourtant, ça fait déjà une couple de semaines que des présidents de la Fed ont dit que ça n'arriverait pas. Puis même Powell a dit que ça n'arriverait pas. Puis tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'un moins grand nombre de jobs ont été créés aux États-Unis, ce qui normalement faisait baisser les marchés. Maintenant, ça les fait monter en faisant penser aux gens que l'inflation était finie. Ça n'a pas changé les prix, ça a juste changé les jobs. Puis ça fait que c'est bien compliqué l'affaire, mais je comprends pas la hausse. Regardez ce matin, le Nasdaq a reparti en hausse, mais le Dow a chuté avant de rebondir, puis le SPY a chuté avant de rebondir aussi. Ça fait que, donc, c'est à mon avis, c'est tout des fake news, ça vient de s'éteindre. Fait que, on va regarder ça ensemble. Regarde, les marchés, on voit là, qu'ils ont repris à la hausse. On va regarder les graphiques quotidiens. Donc, je suis encore sur un zoom ici. Bon, fait que, Nasdaq qui est remonté sur son top. Le Dow qui est remonté à sa résistance. Un peu, j'enlève ça, là. OK, ici, là. Donc, c'est pas grand-chose, là. C'est des grosses caps encore, là. C'est la valeur refuge chez les grosses caps, là. Puis, il y a le SPY qui est revenu à la même place parce que les grosses caps sont aussi dans le SPY. Puis, le TSX qui fait un petit rebond. Dans le fond, c'est lui qui a lancé la première baisse de taux. Hop, un petit moment que je regarde ici. Important. C'est ça. Fait que, puis là, on va regarder les secteurs un par un, OK? Bon, premièrement, l'énergie, qui, lui, était dû pour rebondir, USO, qui rebondit pas tant que ça.
Attends, on va enlever le hors-séance, on va mettre ça en 30 minutes là, pour qu'on voit la situation comme il faut. À mon avis, c'est tout du fake news, là, cette histoire-là. Donc, en tout cas, c'est pas le pétrole, OK? Le pétrole, il a juste interrompu sa correction quand lui, il devrait rebondir. Il n'a pas rebondi. Le gaz, ben, il est remonté au prix qu'il était à hier. Vous voyez, là, il y a de la volatilité, mais il n'y a pas de direction encore du côté du gaz. Les pétrolières, ben, un rebond normal que je m'attendais du côté du SO, un rebond normal du côté du pétrole. Donc, on n'a pas encore de réponse de ce côté-là. OK. Dans l'uranium, on a un petit rebond aussi qui ne change rien dans la situation. Si on regarde Cameco qui fait un petit rebond, ça fait longtemps que je le répète, là, c'était pas le secteur à shorter parce qu'il y a 22 pays qui se sont mis d'accord pour améliorer la situation là. Mais c'est pas un achat, mais c'est pas une vente non plus. Les matériaux, c'est un petit rebond dans la tendance baissière. Stella Jones revient à sa résistance, mais Nutrient, lui, est en baisse. Fait que jusqu'à date, il n'y a rien dans les ressources, OK? Dans l'or, on a le dollar américain qui était en hausse ce matin, mais l'or qui était en hausse en même temps, parce qu'il n'y a pas d'allure, là. Fait que... il n'y a rien non plus dans les ressources, là, c'est pas crédible pantoute. Puis dans l'argent, on a un petit rebond aussi. Donc, vous voyez, là, c'est pas dans les ressources que ça se passe. OK. On va aller dans les mines. Les mines, c'est un rebond qui inverse pas sa tendance, mais c'est parce que c'est l'addition de tous les rebonds en même temps, là, OK, qui font ce que ça a l'air de faire aujourd'hui. Donc, un petit rebond sur B. Qui est encore dans son cycle baissier. Puis Tech aussi, qui était un petit peu plus fort que les autres, mais que ça n'ira pas bien plus loin. Et puis il y a First Quantum aussi, qui a annulé la baisse d'hier. Bon, point final, ça s'arrête là. Après ça, la consommation discrétionnaire. On a une autre petite poussée qui nous amène à la résistance. On n'a toujours pas de réponse ici. La consommation de base, bien ça, c'est justement un signe que le marché est faible parce que le monde se réfugie sur la nourriture. Bien, en fait, c'est l'aube-là, puis George Weston, puis Metro qui sont en hausse. Fait que c'est trois stocks de ce côté-là. Même Saputo est en hausse, c'est peu dire. Les télécoms, on est toujours en fin de rebond. Là, on a un petit rebond ce matin, mais qui mène nulle part. Rogers est même en correction. C'est BCE qui a monté, mais qui est en train de redescendre, qui est à sa résistance aussi. Donc, ça pousse jusqu'au sommet sans vraiment enclencher rien dans des nouveaux cycles haussiers, là. Les services financiers aussi, regarde, ça a monté ce matin, c'est en train de redescendre, ici, là, on le voit, regarde, ça mène nulle part. Puis après ça, les industriels aussi, qui sont arrivés, qui ont le rebond, qui s'en vient à la première résistance, là, ben c'était normal, là, c'est des rebonds sur support. Puis après ça, ben les techs aussi qui sont rebondis un peu à leur résistance. C'est pour ça que ce mouvement-là, à mon avis, il est très futile. Là. Les immobilières aussi, c'est encore un rebond qui a continué un petit peu plus loin. Puis les services aux collectivités, un rebond qui a continué un petit peu plus loin. La santé qui fait rien. Puis dans les autos électriques, ça fait rien. Dans les composantes électriques, ça fait rien. Dans les airlines, ça fait rien. Dans les recreational, on est en fin de rebond. OK? Ça va s'arrêter là. Ça va s'arrêter là, le rebond des recreational. Le pot, ça fait rien. C'est un petit rebond de rien. Les blockchains, oh, une petite poussée. Cette-là, on a une petite poussée qui, à mon avis, en fin de cycle aussi.
Et puis après ça, on s'en va. Bon, dans les énergies renouvelables, ça fait rien non plus. Petit rebond de rien. Regarde, ça fait 3 jours que c'est à la même place. Puis dans le lithium, ça fait rien non plus. Puis dans les biotech, une petite continuité du rebond. Puis dans les semi-conducteurs, on revient à la résistance parce que tout est encore basé sur les... Il y en a qui ont dit des nouvelles qu'ils voyaient Nvidia 30 % plus haut, fait que ça a provoqué une hausse de toutes les Nvidia qui est toujours sur un nouveau haut, mais les autres qui sont revenus à leur résistance du côté de Micron, de Applied Materials, puis Lam Research, puis c'est tout pareil, là. C'est tout des rebonds partout qui remontent, qui rachètent la baisse des 2-3 derniers jours. C'est ce qu'on voit partout. Ça fait que, non, moi, ça a l'air de la frime, là, cette affaire-là. C'est complètement de la frime. C'est signe d'un marché qui ne veut pas se corriger puis qui profite de n'importe quelle information, même les informations négatives, qui transforme en informations positives. Fait que c'est vraiment pas évident, là, je vous le jure. Fait que, regarde, on voit Apple là, qui a clenché. Google est en train de redescendre, Meta est en train de redescendre, Netflix, il va redescendre, Advanced Micro Device aussi. Non, regarde, moi, j'attends un marché. On a vu le haut de la journée, puis j'attends que le marché... Je m'attends à ce que le marché se corrige durant l'après-midi. Parce que c'est juste ça qu'il y a sur le marché. C'est tout du fake news partout. C'est tout des pas des oui-dires, là, mais à mon avis, c'est des fausses nouvelles qui font que les institutions vont prendre des profits cet après-midi, j'en suis convaincu. Ah! Maurice a déjà acheté 2000 Ray à 700. C'est où ça? C'est au Canada? R-A-Y? C'est Ray. Attends un peu, c'est pas le bon que j'ai là, parce que lui, il dit au Canada, à 7 piastres, puis il vaut 375. Non, ça doit, c'est au Canada. Fait que des fois, on a le même symbole dans les deux marchés. 2000 à Ray.A. OK. Je dirais qu'il reste pas beaucoup de potentiel. Il en reste encore jusqu'à 8 piastres. Donc, il resterait encore un autre 30-35 cents là-dedans. Ça a décollé à l'ouverture ce matin. Puis là, on est rendu, à mon avis, on a vu le top de la journée là-dessus. Moi, si j'étais vous, je me dépêcherais de prendre un profit. Parce qu'il n'était pas dans une bien belle condition. Le rebond, il est beaucoup plus fort qu'on aurait pu s'attendre. Bon, ça fait qu'on voit quand même, c'est 120 000 actions sur Stingray Group, qui, comme je disais tantôt, il n'y a pas beaucoup de place à la hausse avant d'atteindre sa résistance. Il reste 25-30 cents. Moi, je prendrais un profit là-dessus de suite. LEV à 1,52 lundi, titre à un point tournant. Oui, vous avez raison là-dessus. LEV, on va voir si ça finit. Non, mais aujourd'hui, il redescend. Fait que, regarde, si vous regardez la tendance, là, on ne s'est même pas rendu à la ligne de tendance, ou presque. Puis là, aujourd'hui, il est en correction. Ça fait que, si on regarde là-dessus... on était sur un top de couloir bien trop haut parce qu'il était sur le haut il était passé le haut de ce couloir-là dans un couloir plus abrupt. Puis là, il est en correction aujourd'hui. Ça fait que vous avez acheté 1,52, puis là, il vaut 1,59 à un point tournant. Placer protection sur un stop à quoi? Bien, c'est là.
Moi, je dropperais la moitié de ça tout de suite, puis le reste au prix payé. Pour Nvidia, un split 10 pour 1 est annoncé pour le 10 juin. OK, ça, c'est le lendemain de ma fête. De là, les spéculations que le titre va remonter pas cher pour les petits investisseurs. Ben, ça change rien, là. Regarde, des splits, là, puis des consolidations ne changent rien. Les consolidations, c'est parce que la compagnie, elle vaut presque plus rien, puis elle consolide pour y faire donner l'impression qu'elle vaut quelque chose. Puis les fractionnements, ils font descendre le prix pour le rendre accessible à tout le monde. Mais ça rend pas la compagnie meilleure. Ça fait juste qu'elle est moins chère. Vous en avez deux fois plus, puis elle vaut deux fois moins cher. Dépendamment, c'est 10 pour 1, donc elle va valoir 10 fois moins cher, puis vous en allez en avoir 10 fois plus, mais ça ne change pas. Les splits et les consolidations ne changent pas la valeur d'une compagnie. C'est clair, OK? C'est le même calcul à la fin. C'est juste que le monde qui ne sont pas capables d'en acheter des stocks à 200, 300, 400 il y a mieux les avoir à 10, puis 15, puis 20 piastres. C'est la seule raison pourquoi les consolidations et les splits ont lieu. Mais je comprends. Mais c'est plus à cause de tout ce qui se dit sur l'intelligence artificielle. Le monde s'est rendu fou. C'est probablement un des pires ballons qu'on n'a pas vu dans les dernières années. Ça remonte quasiment aux folies des high-tech qui valaient 100 fois les revenus. Là. OK, on se rend encore pareil. Là. C'est comme, regarde, moi je trouve que c'est une belle fumisterie. Je pense qu'on doit profiter des creux et des nouveaux cycles haussiers dans le secteur. Mais côté fondamental, là, regarde, tout le monde se lance là-dedans. Tout le monde rajoute le mot AI à leur compagnie ou à leur produit. Puis là, tout le monde dit l'avenir, c'est dans l'intelligence artificielle. C'est une méchante grosse balloune, ça. Fait qu'on va essayer de rester technique, là. Regarde, on est encore dans un cycle à la hausse pour Nvidia seulement. Les autres sont juste remontés à leur résistance. Fait que restons calmes. On fait une pause. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Ah, bon, on est revenu. Bon, j'étais en train encore de regarder l'énergie. Là, c'est normal là, que sur l'énergie, on a un support qui se construit ici. Là. C'est bien normal. Donc, vous voulez faire un achat sur support là, pour USO, je ne vois pas de problème avec ça. Avec le gaz, c'est pas réglé. Pour SLV, là, c'est 19,40 environ. Le nouveau décollage là-dessus. Puis sur les pétrolières, bien, ça dure même pas, OK? Fait que moi, je pense qu'on va retourner à la baisse dans les pétrolières cet après-midi. L'uranium, on a parlé tantôt. Attends, je vais revenir dans les graphiques en une minute, là, OK? Regarde, l'uranium, là, c'est un feu de paille, là, ça a redescendu. Dans les matériaux, on est encore sur le haut, mais c'est à cause... C'est pas à cause de nutrients qui est en baisse, c'est à cause des titres orifères. Donc, qu'on va voir ici. Le dollar américain est en hausse, puis l'or aussi est en hausse. Fait que ce qui a aucun sens, là. Ça, c'est pas de même que ça marche d'habitude. Là. Donc, on est sur un creux, mais c'est qui qu'on doit croire, le dollar américain ou l'or? Moi, à mon avis, c'est trop risqué, l'or, là.
C'est une vraie folie. Même que c'est contre nature, parce que on dirait que de temps en temps, l'or devient une valeur refuge, puis là, c'est encore ça. Mais là, quand on additionne l'or puis les grosses high-tech en même temps, mais c'est pas le cas des autres secteurs. Donc, c'est l'or puis les grosses high-tech, là. Fait que vaut mieux rester prudent là-dessus. Là. Vous voyez la hausse qui a l'air bien, bien extraordinaire ici, là. Elle n'est pas si extraordinaire que ça. Si, mettons, je le mets en 10 minutes, regarde, c'est un rebond comme d'autres rebonds qu'on a vus, là. Ici, ici, puis ici. OK? Fait que c'est pas encore assez fort, assez solide pour démontrer qu'on est sur un creux qui est valide. La même chose sur les mines, OK, qui fait un rebond ici aujourd'hui. Mais regardez, là, il est fini, là. Fait que tous les secteurs qui ont monté ce matin, là, qui n'avaient pas de raison pour monter, là, ça leur prend un autre nouveau haut pour devenir un signal quelconque, parce qu'il n'y en a pas encore pour l'instant. On est juste en construction d'un support sur Hudbay, sur Tech, puis sur First Quantum, puis tout ça. Regarde, mais tout sont arrêtés, là, présentement. OK, regarde, on est sur un top, là. Donc, je prévois même que d'ici la fin de l'émission, les marchés redescendent, en tout cas qu'il y ait un paquet de secteurs qui redescendent. Parce que là, on est vraiment sur un top. C'est une euphorie totale qui a monté à cause du dollar, à cause de la Banque du Canada qui a baissé son taux de 25 % puis d'autres qui disent qu'il va arriver la même chose aux États-Unis. Puis toutes sortes à mon avis, c'est des fake news, là. Il n'y a rien de vrai là-dedans. Ils vont avoir l'air des vrais sans-dessin dans pas longtemps. Mais c'est une guerre de chiffres. C'est ça que c'est, là. C'est une guerre de chiffres. Bon. Regardez Google, qui était en hausse depuis 6h30 ce matin. Depuis l'ouverture, il ne fait rien que chuter. Donc, on a des deux directions. Regardez, Apple aussi, qui a été fortement en hausse en 11 heures. Regardez à quelle vitesse il est en train de chuter. Il va en avoir d'autres. Il y a Meta aussi qui va rechuter. Il y a aussi Advanced Micro Device qui a fait sa grosse poussée à l'ouverture. Puis que là, à mon avis, ils vont redescendre aussi. En ce qui a trait à dire Robin Hood, en ce qui a trait à NVIDIA, tu as raison, le split ne crée aucune valeur réelle, bien entendu, sauf que la valeur perçue pourrait se transformer positivement due à une demande plus forte à cause du nouveau prix abordable pour les petits investisseurs. Bien, c'est ça que j'expliquais. La seule raison qu'ils font des fractionnements, c'est que ça la rend plus abordable pour les plus petits investisseurs. Mais ce n'est pas les petits investisseurs qui dirigent le marché, c'est les grosses institutions. Mais ça va de soi. La seule temps qui vaut la peine de faire un fractionnement, c'est quand les compagnies ont beaucoup monté. Puis remarquez que depuis quelques années, quasiment 2, 3, puis 4 ans, là, des fractionnements, ils sont bien, bien rares. Là, on commence à avoir un petit peu moins de consolidation. On avait plein 3-4 par jour avant, puis là, il y en a moins. Mais il y a encore bien des compagnies là, qui ne valent pas cher. Sur croissance, c'est là le pire. Là. Écoute, il y a des compagnies de 3, 4, 5, 6, 7, puis 8 cents. Là, il y en a plein. Mais il y en a aussi sur Nasdaq, ce qu'on ne voyait pas avant. On aura peut-être une autre vague de consolidation, mais là, j'ai l'impression qu'ils ont fait les pires, puis qu'éventuellement, ça va reprendre du côté des consolidations, parce que je pense pas que les small caps sont en train de prendre le marché. Mais comme l'or vaut cher, puis l'argent vaut cher, c'est dans ce temps-là que toutes des petites small caps, là, qui n'ont même pas une drill sur le terrain, là,
qui sortent des nouvelles, là, puis de tatatata, qui ont des réserves d'or, ici et là, là. Mais écoute, c'est des compagnies à 10 cents. Fait, ils ont trouvé du monde pour embarquer là-dedans. Justement, j'en parlais avec les gens de la Bourse de Toronto qui disaient « Ouais, mais c'est quand même favorable parce que ça rend les émissions d'actions plus disponibles pour les compagnies ou les nouvelles compagnies. » C'est juste ça l'affaire. Fait que, il y a beaucoup d'activités là-dedans. De ce temps-ci, c'est pas pire. Les petites capes de d'or puis d'argent vont souvent faire des profits. Tu sais, regarde, un stock à 5 cents, là, ben, un stock à 15 cents, il monte de 5 cents, puis c'est 30 %. Fait que, donc, il y a des pourcentages à aller chercher là-dedans, mais on ne remplit pas nos portefeuilles de ces compagnies-là. Il y en a plusieurs, j'en ai montré quelques-unes encore ce matin. Puis on pourrait même faire un scan sur Venture pour le voir. T'in, regarde, on va le faire. On va le faire là, là. On va le faire là. Bon, scan. Qui c'est qui monte le plus en pourcentage depuis l'ouverture sur Venture? OK. Bon, oh, ça, c'est une nouvelle compagnie. Cana 8 Investment. Je ne sais pas c'est quoi. Je la connais pas bien, hein. Si je le mets en une minute, on a quoi? Ouais, bien, regarde, c'est 57 000, mais c'est comme un trade, là. Combien il y a eu de trades là-dessus, pour le fun? Ben, il y a eu 4 transactions, dont une hausse. Fait que, oubliez ça, là, c'est de la cochonnerie, ça, là. De la cochonnerie. Fait qu'on voit ça, regarde, un titre à 4 cents, 3 cents, hop, 25 à 30 cents. Regarde l'intraséance, comment il est poche, ça, c'est Sage Potash. Ça, ça vaut rien. Celui-là aussi, tu regardes, il y a eu 1, 2, 3, 4, il y a à peu près 6, 7 trades. Il y a eu 6 hausses, 2 baisses. Bon, là-dessus. J'ai un stock à 30 cents, un autre à 4 cents, un autre à 5 cents, un autre à 4 cents, 4 cents. Puis, c'est la valeur de la compagnie là, que je montre. Regardez les graphiques, là, comment ils ont l'air fous. OK? Fait que des affaires comme ça. Des fois, il y a des petites exceptions. CVW Cleantech, qui est en hausse de 11 %, mais c'est 9 cents. Fait que il y en a des affaires comme ça là, sur le marché. Regarde, il y en a plein. Là. Regarde, un titre qui valait 8 cents, il est rendu à 18 cents sur 2 semaines. Il a monté de 10 cents sur 2 semaines. Lui, il vient de monter de 2 cents aujourd'hui. Puis c'est rempli de ça. Mais c'est difficile de qu'est-ce qu'on devrait choisir là-dedans. C'est tout des petites patentes qui s'essayent. OK, ils ont trouvé une place, là, ils ont trouvé une ancienne mine, là, ils font des reverse takeover, puis ils achètent ça, puis après ça, ils font des financements, puis au bout d'un an ou deux, ils ont le droit de vendre leurs actions, puis il n'arrivera rien dans la plupart de ces compagnies-là. C'est juste parce que l'or vaut cher que toutes les petits aurifères et argentifères montent beaucoup. Roger dit « N'importe qui peut manipuler ses titres ». Bien, c'est ce qui arrive dans la majorité des cas. Là. C'est tous des titres qui sont manipulés parce que ça coûte pas cher. Là. OK? Il y a 113 000 sur une compagnie à 30 cents. Bien, ça vaut 40 000 piastres. C'est comme 40. C'est une grosse cote, là, mais qui vaut 40 000. Mais regarde, elle était là un matin, puis elle est là maintenant. OK? Fait que, partie de 57, elle est partie de 32, montée à 58, puis est revenue à 35. Fait que, faut pas trop capitaliser. Bon, tu prends un petit 1000 ou 2000 piastres, là, que tu as moyen de perdre, là, puis tu peux miser. C'est un peu comme quand tu joues à la roulette, là, tu sais, là. Là, tu mets des jetons, là, puis tu attends de voir où c'est que la petite boule, là, va tomber sa roulette pour savoir si tu vas gagner ou pas. Ça ressemble à ça, là, le marché de croissance, là, présentement. OK, bon, c'est assez pour ça. Bon. Ah oh, ouais, je l'ai dit que c'était top, hein? C'était le top. Non, regarde. Tous les marchés vont redescendre. Parce que c'était une euphorie complètement folle.
Côté technique, il y a eu des inversements, je suis d'accord, mais est-ce que c'est bien payant? Ça, je suis pas sûr. C'est pas mal difficile. Dans nos day trades, on n'a pas eu grand-chose ce matin. Rien, des petites affaires, puis ça s'est passé en pré-séance. Depuis l'ouverture, aucun de nos day trades n'a produit des revenus, n'a produit des gains. LEV en arrêt de transaction 11h22, 11h43. Inquiétant, on va y retourner, on n'a pas vu ça tantôt. LEV. Je ne sais pas, je peux pas vous dire. Chose certaine, c'est qu'à 10 heures, il a rechuté. Là. C'est là qu'on a vu la chute parce qu'il a commencé en hausse ce matin. Puis après, il a rechuté. Puis là, ben, il est arrêté là. Son dernier trade, c'est... On parle de 255 000, mais... voyons, ouvert haut, heure du haut, bas, heure du bas, fermeture précédente, volume. Je vois pas le last trade. Je vois pas l'heure du last trade, mais le last trade, c'est compliqué parce que y a une petite cote qui traîne ici, là, qui est là. Donc, on dirait qu'il a réouvert puis qu'il a été arrêté de nouveau. Je sais pas. On va attendre de voir ce qui va arriver un petit peu plus tard. André Drummond a dit « Salut Michel, je veux dire comme toi, tout le monde aujourd'hui donne des nouvelles et ça fait monter les marchés. Elle ou l'autorité des marchés qui réagit. » Ouais, je sais, c'est bien, mais un petit peu compliqué. Là. OK. Bon. Encore un autre, OK. Bon. Tu remarqueras que je flush toutes tes questions, là, la personne qui sait de qui que je parle. Là. On fait une autre petite pause, OK? Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Oups, ce sera pas long, j'en reviens. Oh, on est encore pogné, encore plein d'affaires ici, là. Encore un autre. OK, ah, de même. De même. Non, je suis d'accord avec toi, Texas. J'en parle plus. Je prends des notes, mais j'en parle plus. Ceux qui ne savent pas, là, parce que je réponds à un message que j'ai reçu de Texas, mais que je ne veux pas afficher. Puis il y a 100% raison. OK, tranquille des ressources. Les marchés sont en train de topper. Le dollar qui est en train de revenir. Donc, tout ça, c'était toute la fumisterie, ça, le matin, là. Toute l'histoire. Fait que moi, je vois pas comment le marché va faire pour faire des nouveaux hauts encore aujourd'hui. Pour aujourd'hui, en tout cas. Je pense que pour aujourd'hui, là, il va peut-être avoir des rebonds, mais ça va être un marché vraiment à la baisse. Ça fait que...
Bon, puis quand on va dans nos day trades, il n'y a rien qui se passe là non plus. Fait qu'on n'a aucun day trade qui fonctionne, on n'a aucun sous-secteur qui continue à la hausse à part des fins de rebond. Puis c'est juste une histoire de grosse capitalisation, puis principalement des chips avec Intel, Nvidia, Advanced Micro Devices. Puis le reste, ben regarde, il y a comme Google est en baisse, Meta est en train de redescendre, Netflix va redescendre, Microsoft va redescendre, Tesla va redescendre, puis Apple aussi va redescendre. À mon avis, je ne crois pas à cette hausse-là. Je suis d'avis avec ceux qui disaient dans les nouvelles sur CNBC que c'était des faux breakouts. Bon, ben c'est assez pour aujourd'hui. C'est assez pour aujourd'hui. Je vais vous revenir à 15 heures. Puis moi, je pense que attendez-vous à de la correction. Attendez-vous à ce qu'on voit sur le marché-là se désagrège. Parce qu'il n'y a aucun secteur dans un nouveau cycle haussier. Il y a juste les grosses capes qui sont revenues à la résistance, qui ont effacé 2-3 jours de correction sur l'assomption, sur le fait que les banques fédérales canadiennes américaines baissaient leur taux d'intérêt, mais j'y crois pas partout. Fait que je vous laisse là-dessus, je suis fatigué, je vais me reposer un peu, puis on se retrouve à 15 heures.